Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Oh, ça fait un peu comme les films d'horreur. Donc bref, pour le tag, la marque qui. Donc voilà, en fait il y a au moins 11 questions je crois. Voilà, je vais y répondre. Je les ai notées toutes sur mon téléphone. Et voilà, c'est parti. Alors première question, la marque au plus beau packaging. Pas la peine. Too Faced. Too Faced, c'est la marque franchement que j'aime d'abord. Je n'ai pas de produit, je crois, mais franchement les packaging Too Faced sont géniaux. En plus, pareil que leurs produits sont encore géniaux. Donc voilà. Après, deuxième question. La meilleure marque de grande surface. Je pense que je vais dire L'Oréal. Je vais dire L'Oréal. Ouais, ou. Non, L'Oréal. Je vais dire L'Oréal. Non, parce que franchement, L'Oréal, c'est pas cher. Ils vendent des très bons produits, donc voilà. Alors, la meilleure marque, pas facile à trouver, donc pas de grande surface, quoi. Moi, je crois que je vais dire MAC. Je crois que je vais dire MAC ou. Parce que j'avais un produit MAC avant et franchement, je l'ai kiffé. C'était à coup extrêmement cher, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà, moi je vais dire Mac. Alors après, quatrième question. La marque de maquillage dans laquelle tu as le plus acheté, je crois que je vais dire jamais Maybelline, parce que jamais Maybelline, j'ai beaucoup acheté dedans. Maybelline et peut-être L'Oréal. Marque L'Oréal. Non, je mets Maybelline, j'ai beaucoup acheté. J'en ai fait chier, mais L'Oréal. Non, je vais dire je mets Maybelline. Non, parce que j'ai pas mal de produits. Je sens que ce tag va pas durer longtemps du tout. Ouais, moi je veux dire, je mets Maybelline. Donc après, autre question. La marque dans laquelle tu as le moins acheté, NYX. Je dois avoir qu'un produit NYX. C'est un primer. Ouais, NYX. Parce que j'ai qu'un primer. Et NYX, moi je suis pas sûre, mais. C'est dur à trouver quand même, surtout que moi j'habite à Nice et à Nice il n'y a pas grand chose. Le meilleur truc que tu puisses trouver c'est sur Amazon quoi. La marque que tu aimes le plus. Alors, la marque que j'aime le plus. Cette fois je teste beaucoup de marques, tout ça. J'aime beaucoup. Bonne question ça. En fait, j'hésite entre jamais Maybelline et L'Oréal. Mais je crois que je vais dire L'Oréal quand même quoi. L'Oréal. L'Oréal. Oui, je vais dire L'Oréal, ouais. C'est vraiment c'est bien jamais Maybelline hein, mais voilà quoi. Poser là comme ça. Dada. Ok, c'est pas mal du tout. Ok. Ouais, je vais dire L'Oréal. Franchement, ouais, L'Oréal. L'Oréal, forever. Après, la marque que tu aimes le moins.
Alors moi, quand je jette un produit, déjà, on me la fait pas à l'envers. Je regarde les avis sur YouTube. Quand je regarde pas les avis, je check vraiment pendant une heure. Je swipe, je me fais ah non oui, ah oui mais ça. Attends. Ok. Alors, franchement, on me la fait pas à l'envers. Hein. Alors franchement, je sais pas. Alors déjà, je sais que dans mes fonds de teint, celui que j'ai le moins aimé, c'était le Revlon. C'est celui que j'utilise le moins parce que c'est celui que j'aime le moins. J'ai une coiffure horrible aujourd'hui. Attendez, je vais réparer ça, je reviens. Donc voilà. Mais je vais pas dire Revlon parce que le fond de teint, en lui, il est bien. Mais voilà, c'est pas le meilleur. Je saurais pas quoi vous dire. Franchement, je ne sais pas du tout. Je vais dire je sais pas. Voilà. Franchement, ouais, je sais pas du tout. En fait, j'avais pas vu, il y a 12 questions. Le premier produit que t'as acheté en maquillage, c'est un produit Claire's. Je sais pas si vous connaissez cette boutique. C'est une boutique pour les jeunes. Ils vendent plein de trucs. Des bijoux, des sacs. Des vernis tout et ouais c'est Claire's. Donc après, la marque la plus chère que tu connaisses, Dior. D'ailleurs, je crois que c'est la marque la plus chère au monde. Non, je suis pas sûre. En tout cas, de ma connaissance, c'est Dior que je sais que c'est la plus chère. Je crois que j'ai au moins deux produits Dior. La marque la moins chère que tu connaisses, je vais dire Astra. Je sais pas si vous connaissez Astra, c'est une marque italienne, je crois. Je sais pas. Je sais plus. Voilà, et c'est Astra que je trouve la moins chère, je crois. Franchement, je sais pas. Je crois que c'est Astra que je connaisse. Hein. Je crois que c'est Astra. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et abonnez-vous aussi. Bip, bip, bip. Abonnez. C'était nul. Allez, prenez soin de vous. Et à une prochaine vidéo.